Bonjour, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voici ce que j'ai écrit, j'ai dit, prenez la résolution dans le jeûne et la prière pour résoudre ce problème. Vous savez, il y a des problèmes souvent dans notre vie, ça vient chaque année, ou bien ça est là chaque année. Ce sont ces genres de problèmes-là. Il faut chercher à résoudre ces problèmes. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit. Oui. Moi, j'ai passé directement à l'acte. J'ai agi. Quand je dis j'ai passé directement à l'acte, ça veut dire dès que j'ai. Parce que souvent, on est inconscient du problème. On voit que la chose nous arrive. Chaque année, on sait que on ne se rend pas compte quoi. Ben, on sait qu'on a un problème, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je vais finir de lire. J'ai remarqué que je donnais mon meilleur à la mauvaise personne. Si je dis j'ai remarqué que je donnais mon meilleur à la mauvaise personne, ça veut dire ma meilleure récolte, ça veut dire mon argent. Le meilleur qui doit revenir à Dieu là. J'ai remarqué que je donnais mon meilleur à la mauvaise personne. Et ça devrait prendre fin. Beaucoup de gens donnent leur meilleur à la mauvaise personne. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu un déclic. OK? Il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque j'ai remarqué que ça ne va pas. Lorsque j'ai remarqué que ça n'allait pas chez moi, lorsque j'ai remarqué que ça n'allait pas chez moi, il y a eu un déclic. J'ai commencé à réfléchir. Donc, un moment donné dans votre vie là, il faut chercher à résoudre le problème. Ne vous asseyez pas comme ça et laissez la vie. Vous voyez, non? Une chose qui se passe, une chose qui se passe chaque année, ça revient tous les ans. Tu ne vas pas un peu prendre le temps pour corriger cette chose-là. Vous savez, il y a une personne, j'ai remarqué, il y a une personne, j'ai remarqué quelque chose chez une personne. Lorsqu'on lui donnait de l'argent, il sort et gaspille. Lorsque cette personne demandait de l'argent aux gens et on lui donne une somme, la personne sort, gaspille l'argent, il revient et il demande encore, il continue de demander. Ça, c'est un problème spirituel à régler. Je parle de ça. Je parle aussi des gens qui ont ces genres de problèmes-là. OK? OK, je parle de ces situations comme ça. Lorsque on te donne, il y a une autre personne aussi. Il y a une autre personne aussi. Lorsque cette personne a reçu de l'argent, elle prend un gaz, elle donne ça. Ça veut dire qu'elle partage à ses enfants. Et puis, elle commence encore, elle continue de tendre sa main. Tu reçois de l'argent ou on te donne l'argent. Tu prends, tu partages à tes enfants et puis tu continues de tendre ta main. Ça veut dire toute ton existence, toute ta vie, tu vas passer ton temps à tendre ta main aux gens pour qu'on puisse t'aider. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ici. Pense pas. On peut s'il y a quelque chose, pense pas. Donc, je pense que c'est sur l'écran là. Donc, chaque fois que quelque chose t'arrive, prends le temps de réfléchir et chercher la face de Dieu pour régler ce problème-là. Moi, pour moi, j'ai déjà fait une vidéo, hein, donc je reprends encore. C'est les mêmes vidéos, mais bon, je reprends. Parce que l'autre vidéo a fait 20 minutes, donc je ne voulais pas continuer. Donc je vais continuer la vidéo là ici.
J'ai dit pour moi, chaque fois que j'aidais les gens, j'aide les gens, je les emmène de l'argent. Et puis, moi, j'ai des problèmes. Ça veut dire, quand je finis, ce que j'ai eu, si j'ai eu des grosses sommes, je prends, je partage, je donne, j'aide les gens qui pleurent dans mon oreille. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y en a que, il y a les gens qui pleurent dans mon oreille et je donne. Il y en a aussi que je donne volontairement, qui n'ont, il y a les gens qui n'ont pas demandé. Moi-même, j'ai décidé de donner. Donc, quelqu'un qui fait ces choses comme ça, normalement, cette personne ne doit pas souffrir. Quand j'ai fini de faire ça là, après là, pour moi, ça devient dur encore pour avoir de l'argent. Vous voyez un peu, non? Donc, un jour, je me suis assise, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ou bien des fois, quand je m'engage dans quelque chose pour aider, ou bien je veux faire quelque chose là, je perds tout l'argent. Je me suis assise. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, c'est pas possible. Pourquoi j'ai toujours ces problèmes-là? Donc, je priais, 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 priais. Et un jour comme ça, les mêmes sommes que je recevais ou bien je reçois, lorsque c'est tombé dans ma main encore, je me suis dit, attendez, je vais donner ça à l'église. J'ai fait un don. Et quand c'est venu encore, j'ai fait un don. Quand c'est venu encore, j'ai fait un don. Et tout a commencé. C'est l'année où, l'année où je me suis assise et puis j'ai réfléchi. C'est pour ça, prenez votre temps. Si je prends mon temps pour vous expliquer là, prenez le temps. Les choses ne sont pas simples. Prenez le temps, réfléchissez sur votre vie. Arrêtez d'accuser les gens. Prenez le temps. J'ai chaud. Ouf. Prenez le temps. Réfléchissez. Cherchez à savoir ce qui ne va pas. Asseyez-vous. Prenez le temps. Si c'est le problème que moi je suis en train de traiter là, si c'est ce même problème que vous avez, commencez à régler. Quelqu'un ne va pas se lever là-bas pour venir régler pour vous. Commencez à régler quand vous êtes prêt là. C'est Dieu qui règle les problèmes. Si je dis que quelqu'un ne va pas se lever, c'est à vous de prendre la résolution. C'est à vous de prendre cette décision-là que ça là, ça ne doit plus faire partie de ma vie. Je dois être libérée de cette chose qui me. Cette chose où je suis enchaînée là. Cette chaîne qui fait que je n'arrive pas à bouger là. Cette chaîne-là doit tomber. Donc, c'est comme ça. Lorsque l'argent est tombé dans ma main, je me suis dit, attends, c'est pas cette somme-là que j'ai pris. Chaque fois quand ça tombe dans ma main, je prends, j'aide les gens là-bas. Et après, c'est moi, j'ai tous les problèmes. Quand je commence à les aider, là, leurs problèmes là, multiplient. Et ça tombe sur moi. Et je m'enfonce. Et je commence à avoir des problèmes. Ou je perds tout. Ou j'ai des problèmes. C'est quoi au juste? Donc, cette même somme que j'ai prise pour aider les gens là, je vais prendre ce que j'ai fait l'année passée là. Je vais amener pour aider. Je ne vais plus faire ça. Je vais prendre la somme là. Je vais donner à l'église. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les dons des grosses sommes. Parce que avant là, avant ce que vous ne savez pas là, j'ai donné mes 10% et puis je suis tranquille. Je donnais mes 10% et puis je suis tranquille. Je donne mes 10% au fait sur toutes les sommes que je reçois chaque fin du mois. Ça, là, je donnais. Mais aussi, il y a d'autres sommes qui venaient comme ça. Il y a d'autres grosses sommes qui venaient comme ça chaque année tombées dans ma main. Et ces sommes-là, j'en avais seulement 10% dedans, dans cette somme-là. Et je donnais à l'église le reste. J'ai le reste, non? Donc, comme il y a les gens qui souffrent là-bas, je me dis, ok, je vais prendre ça pour les aider. Et quand je fais ça là, tout devient dur. Ma vie devient misérable. Ma vie devient misérable. Je me suis dit, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Je suis en train d'aider quelqu'un. Et si c'est mauvais d'aider quelqu'un? Et si c'est mauvais Dieu dit de donner de l'eau. Dieu dit d'aider nos prochains. Et si c'est mauvais d'aider quelqu'un? Donc, j'ai pris ça quand j'ai commencé à donner à cette somme-là à Dieu. Cette année-là, la même année-là,
tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Je n'ai rien perdu l'année-là. Tout a commencé à marcher. Dit, donc, ça veut dire que si je reçois cette somme-là, je vais continuer, peu importe la somme. Si c'est 5 000 euros, si c'est 6 000 euros, si c'est 10 000 euros, si c'est 15 000 euros, peu importe cette somme-là, si ça tombe dans ma main-là, pouf, je donne à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et tout a commencé à rentrer en ordre. Maintenant, je vais expliquer quelque chose encore. Faut ajouter que si Dieu me permet. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire tout commencer à rentrer en ordre. Mais bon, je voulais aussi faire le commerce. Je voulais essayer si je pouvais faire du commerce. Donc, je suis rentrée dans un commerce. J'ai essayé parce que les choses, là, il faut essayer. J'ai essayé d'amener quelque chose en Afrique. Quand j'ai amené cette chose-là, le prix que j'ai payé ici, là, le prix qu'on m'a chargé, la douane, ce qu'on m'a pris là, c'était plus. Donc, quand je calcule tout ça là, tu as payé la chose moins chère. Et ce que la douane te charge là, ça fait que j'étais obligée de vendre cette chose-là j'étais obligée de vendre cette chose-là à la somme que j'ai dépensée, aux sommes que j'ai dépensées, parce que je dois retirer mon argent. Maintenant, si je veux faire les bénéfices là, ça veut dire que je dois, et puis c'est pas possible, je dois plus augmenter, donc il aura du, je dois, c'est pas bon. Au fait, donc j'ai vu que je dois augmenter et c'était pas bon, c'était comme du vol. Et je me suis dit, ça veut dire dans les, je parle d'autres choses maintenant, ça veut dire dans les, comment on appelle? Dans les commerces, là, il y a du vol. Donc, je n'ai pas rentré dans ce commerce-là. Donc, de la manière que j'ai dépensé, la douane m'a pris de l'argent. L'argent que j'ai dépensé sur cette chose-là même-là, ce qu'ils m'ont pris là-même dépasse. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai eu trop de problèmes là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, la Bible dit de donner notre prémisse à Dieu. Donc, je vais prendre ça là, faire un don avec. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un don à l'église. Et quand j'ai fait un don à l'église, là, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez arrêté d'envier les gens, arrêtez de penser que si votre tante ou un membre de votre famille a quelque chose, là, arrêtez de mettre vos yeux diaboliques là. Parce qu'il y a des regards, il y a des regards sataniques. Il y a des choses, quand on ne t'a pas donné là, faut pas dire que la personne même n'est même pas, je ne suis même pas parentée à la personne. Là. Vous voyez un peu là, je ne suis même pas parentée à la personne. Faut pas penser que c'est qui a quelqu'un que tu connais, la personne qui est bien avec toi là. Si cette personne a quelque chose là, c'est à toi que ça doit revenir. Donc, c'est une façon de dire à quelqu'un. La manière d'envier quelqu'un là, parce que, par exemple, si c'est ta tante te connaît, elle connaît ton nom, elle connaît ton adresse, mais si on t'a laissé là, on sait que on connaît où tu habites, on connaît ton nom, on sait comment t'expédier de l'argent, mais si on t'a pas donné, qu'on a donné à quelqu'un d'autre là, faut pas faire palabre avec, c'est satanique. C'est satanique parce que tu sais pas ce que tu sais pas ce qui s'est passé, comment la personne a souffert pour avoir cette somme. Si la personne prend ça pour dire que ça doit aller ici là, il faut respecter ça. Vous voyez comment je vous ai parlé de des sommes. Je vous ai parlé des sommes et je vous ai dit tellement que j'ai eu trop de problèmes là. La douane, ce que j'ai acheté même, je me suis dit, c'est quoi ça là? Je vais faire un commerce et puis c'est bizarre. La douane me charge comme ça, je ne sais même pas combien vendre cette chose-là. Donc, je vais prendre, j'ai vendu la chose, hein, je l'ai vendue et j'ai dit, je vais prendre l'argent là pour offrir, pour faire un don.
Et quand j'ai pris l'argent là, je voulais faire un don. Il y a quelqu'un qui veut s'opposer. Hey, Seigneur. Les malheurs. Il y a les gens, ils cherchent malheur pour rien. Quand on ne t'a pas donné cette chose-là, on prend, on donne à quelqu'un là. Laisse ça tranquille. La personne sait pourquoi elle a donné. C'est ça. Donc, je m'arrête là. Si vous avez votre tante, ça c'est un conseil que je donne. Si vous avez votre tante, votre oncle quelque part, si il ne vous a pas désigné cette chose-là, il vous a vu et il a pris ça, il a mis ça dans la main de quelqu'un d'autre. Respectez la personne. Respectez votre oncle ou votre tante. Respectez la décision des gens. Respectez la décision des gens. Ne combattez pas la décision des gens. Parce que, au fait, quand vous êtes en train de faire votre chose là, personne ne vient intervenir. Quand vous avez votre argent, quand vous avez votre plan, vous êtes en train de planifier des choses, on ne vient pas vous déranger. Donc, quand quelqu'un a son plan là, si c'est votre tante, votre oncle, il a planifié de construire sa maison, il a planifié de faire commerce, il a planifié de confier cette chose-là à telle personne, respectez la décision. Ce que tu voudrais qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. Ne venez pas déranger, ne venez pas mélanger, ne venez pas... Vous voyez un peu, non? Faites attention à votre vie. Il y a des choses qui apportent malheur. Il y a des choses qui font que il y a des grâces là, on ne reçoit pas. Si quelqu'un prend son argent, donne quelque part là, respecte la décision de la personne. Parce que tu sais pas où la personne a traversé pour avoir cette somme là. Donc je m'arrête là un peu, là j'ai parlé si quelque chose ne va pas dans notre vie là, cherchons à régler cette chose. Ne laissons pas la chose, ne laissons pas cette chose là en nous chaque année. Il faut essayer de régler ça. Jésus-Christ sourit, Jésus-Christ est Seigneur. Je suis un peu arrivé loin là, donc je m'arrête là. Je sais que chacun va venir prendre pour lui. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est pas parce que c'est ta tante, c'est pas parce que c'est ton nom, que toi, ou on t'a pas appelé pour venir prendre les décisions, pour venir décider, ou bien pour venir intervenir là. C'est pas parce que c'est ton nom, c'est pas parce que tu es la tante que tu vas venir prends la décision pour ta tante ou bien pour ton nom. Moi, tant que je suis en vie, là, c'est à moi de décider à qui je vais donner mon argent, où je vais placer, quand je vais placer, comment je vais placer. Et je voudrais qu'on respecte ça. Dans la vie, là, il faut imposer le respect. Hein? Il faut imposer le respect parce qu'il y a des gens, là, si tu n'imposes pas le respect, là, ils vont se prendre comme si, je ne sais pas, comme si je suis leur propriété privée. Je ne vous appartiens pas. Je suis à Christ. Je suis enfant béni de Dieu. Et je suis au corps du Christ.